Bonjour et bienvenue à l'entreprise Sirmet. Sirmet a été créée en 1986 par Monsieur Simon dans le domaine du recyclage. Les clients de la société Sirmet sont aussi bien des collectivités au travers des déchetteries que des éco-organismes. Des éco-organismes comme Écosystème, ERP et Écologique, mais aussi des démolisseurs auto, des garagistes et divers centres VHU. Après un passage en station de dépollution, retrait des liquides, des pneus et de la batterie, le réservoir et les pare-chocs du VHU, véhicule hors d'usage, sont arrachés à l'aide d'un grappin. Donc la société Sirmet est une société de service qui s'adresse à des clients locaux qui font confiance à une PME pour recycler ses ferrets métaux et sur lesquels ils peuvent voir les solutions qui sont mises en place dans le domaine. Le VHU est déchiqueté par un pré-broyeur pour faciliter les opérations de broyage. Puis, il est introduit dans le broyeur. À l'issue de ce broyage, il reste trois produits principaux. Le fer, 65%, les RBA, refus de broyage automobile, lourds, composés principalement de métaux non ferreux, et les RBA légers, composés de plastique, mousse, fil et inerte, 20%. Ces RBA légers sont ensuite granulés et affinés pour devenir du CSR, combustible solide de récupération, puis livré comme combustible aux cimenteries voisines. Encore une fois, en traitant le sujet des combustibles solides de récupération, Sirmet justifie son slogan « Le recyclage nouvelle génération ».